L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Salut à tous et bienvenue au cœur du Palais des Sports de Grenoble, au cœur de la 21e édition des Rencontres Ciné-Montagne, un événement qui bat son plein depuis mardi. Alors c'est ici que tous les passionnés de cinéma, de grand air et d'aventure se donnent rendez-vous. Ce jeudi, cap à l'Est avec une soirée qui met à l'honneur deux grands géants de l'alpinisme polonais, Christophe Wielecki et Adam Wielecki. Ils viennent présenter en avant-première française leur film The Last Mountain, un documentaire en immersion sur leur périple au K2. C'est aussi un film qui retrace le sauvetage d'Elisabeth Revol, piégée sur les flancs du Nanga Parbat. Allez, si on parlait spécial rencontre ciné-montagne, c'est maintenant. Ce soir, les fans d'aventure au pays de l'oxygène rare sont servis. Mais avant de vous lancer la tête la première dans The Last Mountain, l'une des opérations de sauvetage les plus extraordinaires de l'histoire de l'alpinisme, je vous propose de prendre un petit peu de hauteur avec la compagnie Les Impondérables. J'aime justement passer du temps à contempler. Je trouve que c'est une pratique qui laisse ce temps-là. On est seul au milieu du vide, ça donne une sensation énorme de liberté. Et il y a le temps de contempler, il y a le temps de s'amuser, il y a le temps de pleurer, de crier, mais il y a aussi le temps d'avancer et de contempler. Bonjour Rachel, vous êtes directrice et chorégraphe de la compagnie Les Impondérables. Oui, c'est ça. Et bonjour Lucie, alors vous êtes danseuse aérienne. C'est ça. Et vous êtes venue accompagner. Oui, je suis avec Lou, et je suis avec Imbal, et avec Louisa. Bonjour tout le monde, alors expliquez-nous un petit peu, Rachel, Horizon Vertical, c'est le spectacle. Donc c'est un spectacle pour quatre femmes en l'air, qui racontent un peu leur expérience de hauteur. Donc c'est des femmes pour lesquelles c'est leur métier, elles font ça de façon... quotidienne, enfin quasi quotidienne, ça les nourrit. Et voilà, en fait, le désir initial de ce projet, c'était de raconter l'intériorité, l'intimité de cette pratique. Du coup, on a mis en place concrètement deux slacklines, donc deux sangles en horizontal et deux cordes lisses, donc deux cordes verticales. Et donc, chacune à leur façon, elle raconte un peu leur rapport à la corde, leur rapport à la slack. Et ce qui est plus qu'une motivation, en fait, quel est le feu intérieur qui les pousse à aller dans ces pratiques-là? Alors vous, Lucie, vous êtes danseuse aérienne. Alors en quoi va consister votre performance? Moi, j'évolue sur une des deux cordes lisses avec Imbal, ma partenaire de corde. Et du coup, nous, on évolue dans l'air en montant du coup sur la corde et en faisant des figures aériennes, en restant connectées avec les filles qui sont chacune sur leur eyeline de chacune de notre côté. Et voilà. On parle un petit peu de dépassement de soi, de peur aussi finalement dans ce spectacle. Oui, ça fait écho beaucoup dans ce festival à toutes les pratiques connectées à la montagne, puisqu'on évolue en hauteur, puisqu'on a une prise de risque. Et du coup, comment jongler avec ça en fait en étant serein, en gardant la maîtrise de soi. Donc c'est un rapport avec le contrôle et le lâcher prise en même temps. C'est tout un équilibre à trouver. Voilà, cette fébrilité, cette fragilité-là, en ayant aussi une force et pouvoir jongler entre toutes ces émotions-là différentes. Voilà. Vous faites de la danse, vous pratiquez aussi la montagne. Alors est-ce que finalement, vous retrouvez un peu ces émotions aussi dans la montagne? Oui. Moi, chacune de mes pratiques aériennes est très différente et en même temps complémentaire, puisque du coup, je fais de la danse verticale aussi, je fais de l'escalade, et je retrouve des émotions, des sensations similaires, et en même temps, à chaque fois, c'est un renouveau, chaque fois, c'est différent, et chaque pratique m'apporte des émotions complètement variées, riches, et voilà, très fortes, de plein de choses. Et vous, Louisa, vous évoluez sur une highline? En fait, c'est avec Lou, on marche sur une sangle. Donc c'est des sangles qui sont plates et qu'on tend entre deux points. Qu'est-ce qu'on ressent finalement quand on est tout là-haut? On peut se sentir tout petit, on peut se sentir aussi des fois très connecté à son corps, parce que des fois on est en difficulté physique. Enfin, donc ça dépend vraiment de ce qui se passe sur la sangle. C'est une belle expérience en tout cas. Bah, ça c'est sûr.
Alors vous, Rachel, vous avez décidé de monter Horizon Vertical. C'est un spectacle vraiment féminin. Ouais, c'est une vraie volonté du coup de donner la parole au féminin, parce que c'est vrai qu'à travers la corde, la slack, enfin toutes les disciplines artistiques de hauteur, finalement se jouent des qualités, enfin des recherches de persévérance, de courage, de dépassement de soi, d'expérience, de dépasser les limites, etc. Et c'est très souvent conjugué au masculin, en fait, toutes ces choses-là. Et dans le processus de création, quand j'ai commencé à m'inspirer un peu de l'existant, à la fois dans la littérature écrite et puis dans les filmographies, etc., dans les podcasts, c'est très souvent des hommes qui parlent soit d'expériences d'hommes. Et du coup, là, voilà, c'est vraiment un parti pris de dire ben, c'est des femmes qui parlent de leurs expériences et puis c'est une femme qui raconte. Et voilà. Horizon Vertical, c'est aussi un spectacle qui met en avant le bâtiment. Donc ici, on est au Palais des Sports de Grenoble, qui a été créé pour les JO de 68. Comment on fait, en fait, pour créer un spectacle et mettre en avant les formes et la vie de ce bâtiment? Alors, la dimension spatiale du bâtiment est absolument au départ du projet. Tout projet commence par un pré-repérage technique, effectivement, qu'on avait fait du coup avec les slacklineuses. Parce que les possibilités ne sont pas non plus infinies en réalité, en termes de possibilités d'accroche, donc il y a ça qui rentre en jeu. Après, moi j'avais à cœur de mettre vraiment tous les volumes en espace en jeu, donc on a choisi de faire des slacklines plus en extérieur et pas des cordelistes en centralisant la scène. Quoi dire de plus sur le bâtiment? C'est assez rare finalement d'avoir accès à des espaces qui ont tant de hauteur. Et donc pour nous, c'est un excellent moyen de tester des choses et de se mettre en scène. Du coup, on est très content d'accéder à ce lieu-là, qui est très adapté pour nos pratiques, en fait. Bon, eh bien, merci Rachel, et puis merci à tout le monde. Merci à vous. Beaucoup. Merci. Merci. L'alpiniste française Elisabeth Revol est la première femme au monde à avoir enchaîné en 16 jours 3 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude, sans oxygène, sans porteur, et ça c'était en 2008. Un an et demi après la tragédie au Nanga Parbat dans l'Himalaya, en janvier 2018, où elle a perdu son compagnon de cordée polonais Tomek Makiewicz, Elisabeth Revol s'est reconstruite. Après des mois de silence et de convalescence, elle vient présenter ce soir son livre témoignage Vivre, paru aux éditions Artaud. Bonjour Elisabeth Revol. Bonjour. Alors vous êtes ici ce soir pour présenter votre livre qui s'appelle Vivre. Vivre revient sur votre ascension au Nanga Parbat, mais aussi sur le sauvetage et sur votre retour en France. Pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire cet ouvrage? C'est simplement déjà pour que les gens connaissent l'histoire, parce qu'il y a eu énormément de choses l'année dernière, de partout, un petit peu dans la presse, et pas mal de choses qui se sont dites, et finalement on ne m'a jamais entendu, réellement entendu. Donc là ça a permis de poser les mots sur cette histoire, et puis aussi de poser ses propres mots personnels, moi, sur cette histoire, qui m'a permis de m'en détacher. Donc c'est pour différentes raisons, voilà, que j'ai écrit ce livre. C'était aussi du coup pour vous faire du bien, c'était une sorte de thérapie en fait. Oui, complètement, c'est ce que je disais dans certains entretiens, c'est que ça a été une thérapie, ça a permis de me détacher, de poser les choses et du coup de regarder le Nanga de façon plus extérieure et de ne pas rentrer dans un émotionnel débordant à ce moment-là. Ce que vous disiez, c'est que du coup vous avez eu besoin de poser vos mots parce que c'est une histoire qui a vraiment fait le tour du monde, et ce livre vous le deviez aussi pour vous et pour Tomek. Oui, complètement. C'est une histoire que je devais raconter dans tous les cas et qui était vraiment importante pour Tomek et que moi je devais faire, ça c'est sûr. Le mot, le nom du livre, Vivre, c'est un mot fort que vous avez choisi vraiment précisément? Oui, exactement, parce que je pense que c'est vraiment une expérience de vie, et de temps en temps on passe par des drames, on rentre dans des gouffres et après on sort de ces gouffres, et c'est tout simplement la vie. Quand on passe les pages, on voit l'histoire, et puis il y a aussi des notes qui sont un peu écrites avec du recul peut-être? Exactement, oui, il y a des flashs un petit peu sur des moments au retour, 2 mois après, 4 mois après, 6 mois après ou 1 an après. Qu'est-ce que je pense en fait de cette situation quand je suis à l'écrire à ce moment-là? Avant de revenir sur le drame dans votre livre, vous parlez de votre ascension sur le toit du monde. Vous commencez par l'ascension sur l'Everest. Pourquoi vous avez voulu commencer par ça? Parce qu'un livre, pour moi, ce qui est important, c'est que les choses soient positives en fait. Et donc du coup, l'Everest, moi, c'est ce qui m'a sorti du gouffre, c'est ce qui m'a réanimé. Donc c'est ma vie qui passe par la montagne. Donc pour moi, c'était vraiment important de commencer par quelque chose en fait de très positif et après raconter l'histoire.
C'était un rêve. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on réalise son rêve ? Eh bien, finalement, quand on réalise son rêve, quand on est là-haut, dans tous les cas, on n'en prend pas forcément la mesure. Et c'est au retour, en fait, qu'on savoure les choses. Et bah, c'est magique, en fait, dans la vie. C'est difficile, en fait, à décrire. C'est un côté un petit peu magique, mystérieux, mais qui fait vivre pleinement. Et quand on est sur le toit du monde, alors ? On est au-dessus de tout. C'est magique, réellement. Vous dites que vous êtes addict à la montagne, complètement passionné. Qu'est-ce qui vous anime finalement là-dedans ? La montagne, c'est toute ma vie en fait, et ça a été l'école de ma vie. Et j'ai toujours vécu en fait en montagne, et je me suis toujours découverte de façon différente sur chaque ascension. Et je trouve que c'est quelque chose que tout le monde devrait pratiquer presque, parce que ça apporte tellement et ça construit, je pense, réellement une vie. C'est ce que je dis, c'est une école de la vie en fait. Depuis la tragédie, vous avez décidé, si je m'abuse, de ne plus monter et de faire d'ascension en hiver ? Pour l'instant, je ne suis pas retournée sur des hivernales parce que j'en ai pas envie, parce que aussi j'avais répondu à toutes ces questions, parce que j'ai vécu aussi des choses qui étaient difficiles là-haut. Donc oui, je me suis détachée en fait des hivernales. C'est trop dangereux ? C'est pas que c'est trop dangereux, mais c'est un engagement qui est physique, qui est mental, et il faut vraiment être préparé si on veut aller sur des hivernales. Moi, je ne suis pas du tout préparée mentalement déjà pour y aller. Là. En mai dernier, vous êtes allé sur l'Everest, vous êtes allé aussi sur le Lot. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets prévus, d'autres ascensions ? Non, pour l'instant, j'ai rien de prévu, passer l'hiver au chaud. On verra après. Eh bien, merci Elisabeth, et puis je vous souhaite encore de belles aventures. Merci à vous. Alors qu'Elisabeth et Tomek sont en grande difficulté sur le Nanga Parbat, quatre des membres de l'excursion sur le K2 vont interrompre leur ascension pour aller à leur secours. Cet épisode est raconté en images dans le film The Last Mountain, qui retrace de l'intérieur toute l'expédition polonaise au K2, le deuxième plus haut sommet du monde après l'Everest. Il culmine à 8611 mètres d'altitude. Surnommé la montagne sans pitié, le K2 n'a jamais encore été gravi en hiver, et c'est ce que nous allons voir ici avec deux grands géants, Christophe Bielecki et Adam Bielecki. Nic się nie zmieniło. Tak samo wieje, już słychać huk na górze. Jest na granicy działalności. Jak ktoś jest twardy, to pójdzie, a jak ktoś jest miękki, to raczej będzie czekał. Ja czuję, perspektywy nie mamy. To z każdą chwilą dnia będzie lepiej. Wydaje się, że te prognozy to małe kadłowa jest niedoprzeczna, że kadłowa słońce i zapiła. O kurwa, ale lawina. Ludzi! Nie takie rzeczy ze szwagrem robiliśmy w garażu. Polak i Francuzka czekają na pomoc w Himalajach. Rewol schodzi, jest w tej chwili na 6900. Ja myślę, że to jest normalne, że się ratuje człowiek. Elizabeth! My mówimy, że nie da się, że jest akcja zakończona, a Adam mówi nie, lecimy po... Nakręciłeś bańkę, a teraz się wybierasz, że zrobi za ciebie ktoś inny, no. Dla mnie szokujące jest, że możesz bardziej wierzyć w to, co czytasz w mediach, niż odpowiedź, którą ci udziela. Stałeś się stroną. Bonjour messieurs, bonjour Christophe, bonjour Adam. Vous êtes venus présenter The Last Mountain, un film finalement alors sur votre ascension sur le K2, sur l'opération aussi de secours d'Elisabeth Revol, mais pas que. Une expédition sur le K2, c'est en fait une succession d'aventures. Alors on était au Karakorum tout seul et Elisabeth était avec Tomek de l'autre côté. Donc finalement on était la seule équipe qui pouvait aller la secourir et faire redescendre Elisabeth. C'était nous, donc on l'a fait. Christophe, vous étiez le chef d'expédition lors de l'expédition au K2. Alors un chef d'expédition, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste en quoi ?
Mon rôle était double, c'est-à-dire que j'étais chef d'expédition de K2, mais aussi chef d'expédition de sauvetage d'Elisabeth. Donc mon rôle, c'était non seulement de choisir qui monterait au K2, mais aussi de sauver Elisabeth. Pas mal de gens voulaient le faire, et donc le choix s'est porté sur Adam, Denis, mais aussi Piotr Tomola, qui connaissait la montagne, mais aussi sur un sauveteur et un médecin qui coordonnaient tout ça. Ma rôle était de choisir 4 personnes, parce qu'il y avait 4 places en hélicoptère. Un chef d'expédition, c'est aussi gérer donc ses hommes et leur ego. Effectivement, avec les jeunes de nos jours qui sont de plus en plus individualistes et qui connaissent beaucoup plus de choses que nous il y a encore une vingtaine d'années, c'est effectivement une tâche difficile, mais en dialoguant et en essayant de co-construire nos décisions ensemble, en discutant longuement parfois, on arrive à s'en sortir. Mais il est clair que mon collègue Zawada avait moins de difficultés il y a 20 ans. On voit dans le film, Adam, que vous êtes tous très bien équipés, donc au camp de base, radio, téléphone, musique, internet, télévision, GPS. Est-ce qu'il faut tout ça finalement pour conquérir le K2? C'est une assez trudne question. Oui, je ne sais pas si toutes ces choses sont nécessaires, mais elles nous permettent d'avoir un camp de base qui devient plaisant et confortable pour qu'on se sente mieux. Et pouvoir se reposer, parce qu'il ne faut pas oublier que le camp de base est situé à 5000 mètres d'altitude sur un glacier où il y a du vent, la météo est très changeante et souvent défavorable. Donc c'est un endroit qui nous permet de retrouver un lieu familier, notre humanité et d'avancer sur cette ascension. Ce sont des éléments qui nous améliorent le confort. C'est parce que justement vous étiez aussi connecté que vous avez été au courant pour aller secourir Elisabeth et Tomek. Est-ce qu'il y a eu vraiment donc un élan de solidarité de tout le monde au camp ? Alors oui, je connaissais Tomek et Elisabeth, donc il était naturel pour moi de participer à cette action. On se connaissait, on avait de bonnes relations depuis longtemps. Donc dès qu'on a reçu ces terribles infos, on n'a pas beaucoup réfléchi et il faut souligner que c'est assez universel comme principe. Il faut aider les personnes qui sont en danger en montagne et nous n'avons pas hésité. Et si c'était quelqu'un d'autre qu'Elisabeth et Tomek, on y serait allé aussi. Christophe, vous dites que le sauvetage d'Elisabeth, c'est vraiment un exploit, qu'il va rentrer dans l'histoire des secours en montagne. Alors, est-ce que c'est fait ? Cette action była oczywiście. Cette action était extraordinaire, bien sûr. Au niveau de l'organisation, tout s'est fait très rapidement. Au niveau des hélicoptères, de la logistique. Mais ce sauvetage a été exceptionnel car il a été suivi de près par les médias grâce aux dernières nouveautés technologiques. Mais sinon, ce cas de sauvetage n'est pas si extraordinaire, car plusieurs actions de ce type-là avaient eu lieu dans l'histoire. Et si on demande à Adam ou Denis, effectivement, ils ont déjà participé à ce genre d'action. Mais il n'y a pas eu cet élan médiatique, comme lors du secours d'Elisabeth. Lors de votre expédition au K2, beaucoup de monde se blesse, notamment par des chutes de pierres. Vous dites à un moment que trop, c'est trop. La voie que nous avons choisie était assez désastreuse en termes d'accident. On s'est aperçu tardivement qu'il aurait fallu choisir la première voie par l'arête des Abruzzes, ce qui nous aurait permis de gagner 2 ou 3 semaines. Mais on apprend de nos erreurs, c'est comme ça. Mais la prochaine fois, nous serons plus prudents et intelligents face à ce genre de problème. Adam, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu Elisabeth ? Oui, ce fut une émotion très forte. J'étais très ému de la voir à cette altitude-là. On pensait la retrouver plus haut, mais elle était parvenue à descendre à 6200 mètres. Elle a bravé la nuit et le froid. Mais malgré l'émotion, on n'avait pas beaucoup de temps pour réfléchir et se remettre de nos émotions, parce qu'il fallait l'évacuer rapidement. Je pense avoir versé une petite larme, mais tout est allé très vite. Le souvenir reste fort, mais vague aussi. Potem trzeba było szybko się wziąć w garść i zacząć myśleć, co dalej. Pendant ce genre d'aventure et pendant ces expéditions, vous êtes aussi souvent vulnérable face à la montagne.
No tak, oczywiście dyscyplina sportowa, którą uprawiamy, jest niewątpliwie bardzo niebezpieczna. Oui, c'est une discipline à haut risque. La haute montagne, ce n'est pas à prendre à la légère. On prend des risques, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui m'attire. Je pense qu'il faut profiter de chaque instant, vivre pleinement cette aventure qui peut être dangereuse ou fatale, mais c'est cela qui m'attire, c'est cette sorte de magie qu'on retrouve dans la haute montagne. Że to nie o to chodzi, by żyć tak, aby nie umrzeć, tylko tak, aby żyć. Po prostu. Chciałbym się jeszcze odnieść do tego, co Adam powiedział. Je reviens sur ce qu'a dit Adam. Quand on va en montagne, on n'y va pas pour mourir, mais pour vivre une grande aventure. Et c'est cela le sens de nos expéditions. Każdy, kto idzie w góry, to wierzy w to, że wróci. Christophe, un facteur, vous, que vous ne pouvez pas gérer du tout, c'est la météo. Donc il y a une sorte de microclimat au K2, beaucoup de mauvais temps, des avalanches de pierres, des avalanches de neige, du vent. C'est vraiment compliqué à gérer. Pour la météo, aujourd'hui, nous avons de nouveaux appareils qui s'appellent le forecast, qui nous permettent de prévoir la météo avec beaucoup de précision. Cela nous permet de mieux gérer nos expéditions et de préserver nos forces si le temps est défavorable. Avant, on partait quelle que soit la météo, car nous n'avions pas accès aux données météo. Aujourd'hui, il est vrai que nos méthodes ont changé et nous sommes devenus beaucoup plus professionnels. Christophe, vous êtes un spécialiste de l'Himalaya en hiver. Vous avez reçu le Piolet d'or pour l'ensemble de votre carrière. Le Piolet d'or, c'est un peu l'Oscar au cinéma. Vous êtes un chef d'expé de renom, un collectionneur des 8014 au compteur. Vous avez fait des solos. Bref, vous représentez 50 ans d'alpinisme. Alors oui, ça fait une cinquantaine d'années que je grimpe. J'étais présent durant les années d'or de l'alpinisme polonais, mais ce n'était pas mon objectif de gravir 14 sommets à plus de 8000 en Himalaya. Mais bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps en montagne et par la force des choses, ou même on pourrait dire par accident ou par chance, j'ai grimpé ces sommets, mais ce n'était pas un but en soi. Pour moi, c'était autre chose que je cherchais dans la montagne. C'était le goût de l'aventure, mais oui, je suis fier d'avoir gravi ces sommets. Réalisation своих marzeń i wyzwań. Alors, quel est votre plus beau souvenir de carrière? Najpiękniejsze wspomnienie to chyba Nanga Parbat. Mon plus beau souvenir, c'est le Nanga Parbat. Quand j'étais en solo, je me suis retrouvé au pied de la montagne tout seul au milieu des bergers, mais j'ai décidé d'y aller. J'ai pris des risques et j'ai complété mon palmarès de sommet à plus de 8000. Mais aujourd'hui, je le vois comme une erreur et comme une sorte de leçon pour les jeunes, pour les prévenir qu'il ne faut pas prendre autant de risques et que j'ai eu beaucoup de chance. L'ascension au K2, donc c'était pas pour cette fois en tout cas. Le sommet reste aujourd'hui encore à conquérir en hiver. Est-ce que vous prévoyez d'y retourner, Adam ? Tout dépend si le K2 n'est pas atteint par une autre équipe cette année. Mais si ce n'est pas le cas, oui, nous y retournerons l'année prochaine, si je suis en forme et l'atteindre enfin. Ok, bah merci, merci à tous, à tous les deux, et puis on vous souhaite encore de belles, belles aventures. Le Nanga Parbat, ce titan de granit de 8125 mètres de haut, défie tous ceux qui veulent le conquérir cette année. Une vingtaine d'alpinistes ont tenté l'expérience, comme ces deux Savoyards, Boris Langenstein et Tiphaine Duperrier. Ils sont là ce soir pour raconter leur expérience, leur aventure et la descente à ski. Bonjour Boris, bonjour Tiphaine. Vous êtes arrivé à bout du Nanga Parbat cette année, en juin-juillet dernier. Donc votre style, c'est le style alpin, donc sans oxygène, sans porteur, sans fixer de corde. Une fois là-haut, qu'est-ce qu'on ressent ? Une fois là-haut, bah, en général, ça a demandé quand même beaucoup d'efforts, donc on est fatigué, mais on est heureux. Alors, vous êtes monté par la voie dite normale pour ensuite descendre à ski tous les deux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 7500 mètres d'altitude, l'air se raréfie. On appelle cette zone la zone de mort. Alors, qu'est-ce qu'on ressent à cette altitude-là, en fait ? C'est tout le corps qui est au ralenti physiquement. C'est juste un autre monde. C'est plus possible. On n'a plus du tout les capacités qu'on a à une altitude avec une oxygénation normale. Voilà, donc on est scié en deux. Voilà. Donc vous, vous avez attendu justement à 7800 mètres. Vous n'êtes pas arrivé en haut, il manquait environ 300 mètres. Oui. Alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous regrettez? Voilà, c'est une question. Bien sûr que j'ai des regrets. Après, je regrette pas d'avoir renoncé parce que... comment dire, je pouvais... Ça aurait été dangereux de continuer. Voilà. Voilà. Après, l'attente est insupportable, ça je peux le dire.
Voilà. C'est ça aussi, être alpiniste et savoir être professionnel, c'est aussi savoir dire non et savoir s'arrêter quand il faut. Exactement, exactement. Je pense que c'est très difficile à juger. Dans mon cas, c'est apparu très clair, mais je pense que quand on sent que ces limites ont été franchies, il faut savoir dire non. Ça, c'est une règle qu'il faut se fixer avant de partir, ça c'est clair. Vous êtes retrouvés après tous les deux pour descendre à ski. Bon, alors, est-ce que ça vaut le coup ? Ah oui, ça vaut le coup. Évidemment, ouais, ça vaut le coup. En plus, nous, on a eu la chance, quand j'ai retrouvé Tiffen, on y avait un soleil couchant avec juste quelques nuages et il y avait une lumière incroyable. Ouais, ça vaut le coup. C'est une expérience qui est vraiment extraordinaire. Quels sont les plus beaux souvenirs que vous avez ? Tout était merveilleux et... Vraiment, c'est le voyage du début à la fin, c'était extraordinaire, une expérience magnifique. Le plus dur, par exemple, pour vous, Boris, ça a été quoi dans cette aventure ? Moi, de supporter Tiffen. Non, je rigole. Le plus dur, je m'en suis pas rendu. Enfin, c'est de ne pas être au sommet avec Tiffen. Là-haut, c'est toujours un petit regret. Mais ce sera pour la prochaine. Et est-ce que vous avez alors des projets encore ensemble qui sont prévus ? Ah bah oui, là, maintenant je crois qu'on a signé, c'est bon, c'est à vie qu'on se relancera dans d'autres projets et ce sera à ski en Himalaya. Bah merci en tout cas à tous les deux, puis je vous souhaite encore de belles aventures alors. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Télé Grenoble pendant ces rencontres ciné-montagne. Je vous donne rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles découvertes et de nouvelles aventures en montagne. Salut! L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.